La prière est un combat. Un combat pour tout le monde. Un combat de tous les jours pour tout le monde. La prière est un combat. Un combat pour tout le monde. Un combat de tous les jours pour tout le monde. Et la première difficulté, c'est de ne pas s'enfuir. De ne pas déserter, de laisser la chaise vide. Et quand on fait ça, on a des bonnes excuses, des bonnes explications qui nous convainquent. On se dit, je ne sais pas faire, je ne connais pas les mots, je suis trop loin. Comment Dieu m'entendrait-il? Comment mes prières monteraient-elles au ciel alors que je suis descendu si bas dans le péché et dans les ténèbres? Ces réflexions-là sont des pièges. Par notre baptême, nous sommes constitués en un peuple de prêtres. C'est-à-dire que nous avons un sens inné de la prière, un sens que personne ne peut nous enlever. Où que nous allions, aussi loin que nous descendions dans le péché, nous avons toujours en nous la capacité de nous mettre à genoux et de dire « Abba, Père ». Nous avons toujours en nous les ressources de la prière. C'est une grâce qui est liée à notre baptême. Donc ne jamais, jamais laisser la chaise vide. Dieu nous accueille où que nous soyons, où que nous en soyons. Ou alors, autre scénario, on va à la prière, on respecte son engagement, on s'assoit sur son petit banc, on expose au Seigneur ses bonnes dispositions intérieures. Et puis rien. Rien ne se passe. On a l'impression d'être là et de ne rien faire d'autre que de digérer ses patates. Au bout du temps d'oraison qu'on s'est fixé, on a l'impression qu'il ne s'est rien passé. On se demande si ça vaut le coup de recommencer, de revenir le lendemain. La réponse est oui. Bien sûr, il faut revenir le lendemain. Bien sûr, il faut persévérer. Il se passe toujours quelque chose. Les grâces spirituelles sont toujours insensibles. Et même si nous avions raison, et même si réellement il ne se passait rien, il se passerait encore quelque chose d'irremplaçable. C'est qu'on donne au Seigneur notre temps. On lui montre à quel point il est prioritaire en lui offrant une partie de notre journée, en lui consacrant ces moments que l'on passe en sa compagnie. Rien que pour ça, notre prière aurait du prix. Quand bien même nous la considérions comme une stérile digestion, le prix que ça aurait, c'est la priorité que nous donnons à Jésus en persévérant, en venant là, à l'heure du rendez-vous fixé. Et donc ensuite, en ayant ainsi persévéré, en ayant peu à peu structuré nos temps de prière pour qu'ils rythment notre journée, il n'y a pas besoin de faire comme les moines et d'aller à la messe, à l'office, pardon, 7 fois par jour. On peut prier le matin, prier le soir. On va entrer dans un autre type de combat spirituel. Le combat des petits riens. C'est un combat essentiel, vous l'avez tous déjà éprouvé. On se donne comme résolution, chaque soir, avant de m'endormir, je prendrai le temps d'une prière. Et la journée bat son plein, on arrive au moment du coucher, on fait notre petit rituel brosse à dents pyjama, et au moment où on éteint la lumière, au moment où on est bien douillettement à ramener les couvertures jusque sous le nez, on réalise, ça y est, j'ai pas prié. Ça y est, j'ai pas fait ma prière. Qu'est-ce que ça veut dire? Je viens d'éteindre, il fait noir, mes chaussons sont hors de portée. Ça veut dire simplement qu'on a déserté le combat spirituel. Ça veut dire qu'on s'est mis en situation d'oublier. On s'est mis en situation d'y penser trop tard. C'est-à-dire d'avoir une bonne excuse pour ne pas revenir en arrière. Je ne vais pas me relever, j'ai éteint le chauffage, j'ai éteint la lumière, il fait froid, etc. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a différentes méthodes. Les plus courageux, et c'est sans doute la meilleure option, vont se relever. Pour bien montrer à l'ennemi qu'on n'est pas complice. On a pu se faire piéger, mais on n'est pas complice. Alors on se relève et on fait la prière qu'on avait programmée.
Mais si c'est pas possible, ou si au début on a du mal à aller jusque-là, au moins le lendemain, être vigilant avant que ça se produise, avant d'être en situation d'oublier. Et le lendemain, eh bien, commencer la prière avant de se laver les dents, c'est peut-être le meilleur moyen de ne pas oublier, de ne pas être entraîné par la succession des petits gestes du quotidien. Parce que c'est au moment de Noël que nous avons la grâce la plus accessible de la prière. C'est au moment de Noël où nous avons cette chance de pouvoir revenir vers Jésus avec un regard et un cœur renouvelé. Vous vous souvenez, il y a quelques semaines, c'était un évangile du dimanche, il y avait ce contraste que Jésus faisait entre la prière du publicain et la prière du pharisien. Qu'est-ce qu'on avait retenu à l'époque? Les grands discours. Le pharisien qui était là pour mettre en avant toutes ses qualités. Bien sûr, on avait discuté ce qu'on pouvait penser de ses qualités. Mais ce qui est important, c'est qu'il nous ressemble en ceci, qu'il considère le Seigneur, même pas comme un interlocuteur, mais comme un récepteur de nos grands discours. Et ça, c'est quelque chose que nous imaginons, nous mettons le bon Dieu dans une position d'un adulte qui nous parle et qui a des considérations pour nos soucis, qui nous semblent tellement importants. Et que ce soit pour les décrire, tout ce qu'il y a de grandeur dans notre vie, que ce soit pour déplorer tout ce qu'il y a comme bassesse dans notre vie, nous restons encombrés par nos grands discours. Non pas qu'il ne faille pas les tenir, mais qu'il ne faille pas tomber dans ce rapport rationnel où on essaye de tout réduire à ce qu'on peut en exprimer, à ce qu'on peut en connaître. Quand on arrive au temps de Noël et qu'on se met à genoux devant la crèche, on est forcément déconcerté par un petit enfant. Quand on est en présence d'un enfant, on n'a plus la spontanéité de recourir aux justifications, de recourir aux grands discours qui nous mettent en avant, que ce soit pour nous flatter ou pour nous dénigrer. On adopte spontanément une attitude d'accueil, une attitude d'écoute. Qui est ce petit enfant? Comment est-ce que je vais le connaître? Comment entrer en relation avec lui? On sait bien que ce ne sera pas par les moyens habituels. Eh bien, c'est la grâce de l'enfant de la crèche. C'est pour ça que le Verbe, quand il se fait chair, il se présente à nous comme un enfant, comme celui qui ne peut pas parler, pour nous inviter à parler un autre langage, le sien, le langage de l'amour. Au moins une fois par an, nous avons cette grâce de la facilité, de la proximité et du renouveau de la relation avec Jésus. Alors, frères et sœurs, profitons de cette facilité, profitons du temps de Noël, pour nous mettre à genoux devant l'enfant de la crèche et le laisser se découvrir à nous d'une autre manière, et le laisser nous découvrir à nous-mêmes d'une autre manière, dans son sourire, dans son regard. Cette jeune passion bosse.